Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau stream. Aujourd'hui, on se retrouve sur un excellent jeu qui est ce Turbo. Parce que, par contre, il faut que je fasse un truc, c'est chercher l'émulateur. Et il est où ? Là. Bonsoir. Donc, du coup, bonsoir Diadug, bonsoir Diama, bonsoir Glitchy et bonsoir Nico. Attendez, du coup, il faut que je mette la source du stream. Et que je mette, du coup, Melon DS. Et que je lance le jeu. Sotorobo Red Hunter. Parfait. Vous voyez le jeu, c'est bon ? Normalement, vous voyez le jeu. Attendez, il faut que je mette le son à fond. Ah non, c'est bon, il est déjà mis à fond. Parfait. Alors, juste... On peut skip tout ça? Oui, on peut skip. Oui, voilà, c'est bon, on peut skip. Parce qu'on avait déjà vu la toute première fois qu'on avait lancé le jeu. Ok, commencez à jouer. Bon, du coup, j'ai l'affichage des données. Alors, attendez. Ah oui, mais on voit le curseur, je crois. Attendez. Il était... Ouais, non, il y est pas. C'est bon, il y a pas le curseur. Parfait. Je viens de vérifier. Bon, du coup, continuez le jeu. Oui. Attendez, j'ai quoi de ouvert en arrière-plan? J'ai Discord. Je peux fermer Discord, comme ça, je gagne encore plus de ressources. Je sens pas du tout de ce qu'on a fait la dernière fois, hein. Faut savoir, hein. Je sens plus du tout. Donc je sais même pas ce qu'il faut qu'on fasse. Je crois qu'il faut lui parler, non? Je sais plus. Oh là là, ça y est, je suis paumée. Je t'observe toujours. Ok. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Parce que... Il faut que j'aille où? Il faut que je fasse quoi? Je sais un plus. Je suis à un endroit du jeu. Faut savoir que le dernier stream sur le jeu date d'il y a plusieurs mois. Ce qui fait que, du coup, je sens de plus rien. Tu récupères le bouquin, maintenant tu dois augmenter ton rang de chasseur. Ah oui, donc il faut que je fasse des petites quêtes. Faut que je fasse des quêtes. C'est vrai. Faut que je fasse des quêtes, du coup, je crois. Je suis pas sûr de ça. Je crois qu'il faut que je fasse des quêtes, ouais. Pour augmenter le rang de chasseur. Ok. Faire des quêtes et... ouais, ok. Non, ok, no problemo. Ok, Attendez, on voit le chat au moins sur le stream? Je sais pas, bref. C'est où déjà? Le truc des quêtes, voilà, c'est là. Voilà. Oui, c'est un point de sauvegarde, mais... Oui! Pourquoi il... C'est pas ça que je veux. Voilà. Les quêtes étaient disponibles, ok. Du coup... Parce que ouais, rang de chasseur, je suis qu'au niveau 3. Et pour les quêtes pour avancer dans le jeu, il... L'entrepôt est infesté dans sa maison. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bah c'est sur la Turbo. Un jeu que du coup, qui est un jeu que Glitchy aime beaucoup. Donc Glitchy est quelqu'un dans le chat. Et elle aime beaucoup ce jeu. Et du coup, elle m'a dit... Enfin, en gros, du coup, voilà. Et c'est un jeu cool. Et bref, de toute façon, je sais pas comment l'expliquer. Glitchy l'expliquera mieux que moi. Va voir le marchand dans la zone résidentielle du secteur Est pour en savoir plus. On regarde l'écran. Ouais, il faut aller là-bas. Ok. Ouais, regarde l'écran super... Oui, non mais... Très bien, bonne chance. D'accord, bah ouais, j'y vais. Je bouge mes fesses. Du coup, c'est un jeu sympa. C'est cool. En vrai, j'aime bien, donc ça va. Du coup, il fallait là-bas. Il fallait là. Et ouais. Faut lui parler. Oh, tu viens pour l'annonce, c'est pas vrai? Tout juste. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu vois, cet entrepôt, il est infesté d'insectes dont je veux me débarrasser. Ça n'a pas l'air bien compliqué, je m'y mets tout de suite. Je t'attends ici. Reviens me voir dès que tu auras terminé. Mais je l'ai. C'est parce que j'appelle un infesté d'insectes. Ils doivent se cacher. Ah, du coup, il faut prendre les caisses et les buter, je suppose. Ou... Ah non. Faut faire quoi déjà? Faire quoi? Faut juste les... Oui, voilà, il faut que je bute ta race.
juste oh, péter les caisses et leur buter leur race. Voir comment on les balance violemment contre le mur, n'empêche. Tu crois que c'est bon? Ça a presté. Non, je sens encore mes poils se dresser sur ma nuque. Parce qu'il y a un gros insecte. Il en restait encore un gros, je le savais. Oh non, c'est un combat. Ah, je pleure. Non, je pleure. C'est un combat. Non, mais... Oh, mais je vais mourir. Hein. Ah ouais, en fait, non, en fait, la technique, c'est de prendre les petits et de lui balancer dessus. Je crois. Il nous fait spawn des petits. Ok. Non! Non! Et en plus, il fuit! Voilà, casse-toi. Mais en plus, il me fait... Aïe! Mais je fais mal! Enfin, je me fais mal! Non, merde! Pourquoi j'ai fait ça, moi? J'avais oublié que le bouton Y, il servait à ça. Bon, jette-en d'autres! Faut que je lui balance à la tronche. Vas-y, balance-en d'autres. On se dirait un combat dans 3D World. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais il est long à battre, mon dieu! Oh voilà, il balance des petits. Voilà. Et il fait mal. Voilà, casse-toi. Vas-y, balance-moi un autre petit. Histoire que je te balance dessus. Voilà. Voilà, non mais... C'est dur, hein. Voilà, espèce de boss de caca. Si tu spammes bien le bouton 1 pour l'attraper, tu peux réussir à l'avoir. Ouais, non mais j'arrive pas, j'y arriverai pas. Ouais, non mais il me fait trop mal. Hein. Non, non, mais laisse tomber, il me fait trop mal, donc j'arrive pas. Hein. J'arrive pas à spammer comme tu pourrais faire, genre j'arrive pas, c'est trop dur. Non mais de toute façon, il a presque plus, il a plus beaucoup de vie, donc... Voilà, c'est bon. Voilà, allez, t'es mort. Bien joué, bah merci beaucoup, hein. Et voilà le travail. Super, tu crois que le marchand accepterait cette pète comme preuve que tu as fini le travail? Merci beaucoup Nico, ça fait plaisir, ouais, j'ai réussi à l'affronter, je suis trop forte. J'ai exterminé tous les insectes? Ouais, tenez. Ok. Ah, mais c'est dégoûtant, elle bouge encore. Bon travail, en tout cas. Voilà le paiement. Ok, parfait. Rien à progression. Ouais, je sauvegarde. Toujours je sauvegarde. Bon, bah du coup... Faut retourner là-bas. Retourner voir les missions. Let's go. Ah, ça me saoule. Allez, alors voilà les quêtes. Non, ok, c'est bien. On est dans l'émission, ouais. Ok. Quoi, hein? Il a le chic pour me mettre à l'aise. Ramène dans le secteur est pour savoir plus. Et du coup, il dit qu'il faut retourner, enfin, il faut aller là-bas, ok. Ok. Très bien, bonne chance, ok, merci. Ramène le pire perso. Ouais, bon. Un peu casse-pied, effectivement. Enfin, je suis un peu déjà du perso, vu que ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Donc, notamment, je suis un peu du perso. Ah, il faut... Ah, mais oui, c'est lui, ok. Oh, sucre d'ange, je suis si content de te voir. Salut. Ouais, salut.
Passons aux choses sérieuses, si ça ne vous dérange pas. Oh, tu es toujours pressé. Bon, tu dois aller aux îles de Davren. Bon, bonne soirée, vous. Ça m'a fait plaisir de venir écouter nos besoins. Bonsoir. Ouais, il en a beaucoup. 29, c'est pas mal, même si je trouve 5, c'est déjà beaucoup. Enfin, 5, moi je dis, c'est l'idéal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais attends, que tu n'as pas fini. Tu es prêt? Partir. C'est beaucoup. À la prochaine, du coup. Toujours aussi serviable. Au fait, cette fois, je t'accompagne. Arg! Est-ce que c'est encore les... Oui. Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Écoute bien, sucre d'orge. Je suis tout ouïe. L'un de mes cargos a eu un accident. Il faut que tu récupères sa cargaison. Elle comprend plusieurs caisses comme celle-ci. Ok. Il y a 6 caisses en tout. Suis les flèches pour les trouver. Cette fois-ci, je fais pas la même connerie. Ouais, le jeu qui lag trop bien. Comment on fait déjà? Ça marche comment ce jeu? Attendez. Attends 2 secondes! Bah, y'a même plus le jeu sur le stream. Ah bah si. Rebonjour les gens. Merci beaucoup du follow. Pour celui qui a follow. Du coup, ouais, trop bien le son du jeu qui bug. C'est bon. Il fait de la muscu. Trop bien. Il faut que j'aille où maintenant? Mais il faut que je suive la flèche. Sachant qu'il faut en récupérer 6 des putains de caisses comme ça. Hein. Ça va être long. J'ai fait. Ah oui, c'est vrai, il y a le truc genre tu peux charger comme ça, oui. C'est vrai, j'avais oublié. J'oublie plein de trucs. Hein. J'ai failli tomber, mais ça va. Ok, tout va bien. Il faut aller là-bas. C'est où qu'il faut... Attendez. Oh, ce jeu, c'est Skyward Sword. X Pokémon ultraviolet. C'est qu'une phase du jeu, après. C'est même pas tout le jeu qui est comme ça. C'est juste une phase du jeu. Mais ouais. Mais même dans le jeu, de manière générale, il y a un délire avec des îles, etc. Genre, le jeu même, en soi, c'est un délire avec des îles. Plus qu'une. Excellent travail. Bah, plus qu'une, excellent travail. Elle est où la flèche? Ah bah en fait j'allais pas du bon côté. Il y a une tête de chien. Peut-être parce qu'en fait littéralement dans le jeu c'est tous des animaux. De mémoire. Je crois en bas. J'ai rien compris. Pourquoi j'ai rien compris? En fait, la caméra, elle se tourne pas aussi. Ah oui! Voilà! Elle est planquée à un endroit random aussi, la caisse. Voilà!
Et ça en fait 6. Fantastique, on revient me voir, mon lapin. Oui, c'est particulier comment il l'appelle, mais soit. Du coup, il faut retourner à l'île de départ, je crois. Ça fait pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps que je suis revenu en vrai, genre j'ai avancé sur la quête alors que bon, au début, j'étais pas avancé sur la quête. Oh, non, j'ai plus de turbo. Oh, j'ai plus de turbo, du coup, je suis tombé. Ouais, non, mais fou. Faut pas se servir trop du turbo parce que c'est la cata après. Hein. Faut pas trop se servir du turbo. En fait, maintenant que tu... En fait, maintenant que j'ai compris la caméra, en fait, je comprends. Le premier stream, c'était vraiment pas fameux. Hein. C'était vraiment pas fameux, le premier stream sur le jeu. Enfin, genre la première fois qu'il y avait une mission comme ça dans le jeu. C'était vraiment galère. Faut que je te parle, je suppose. Ouais, voilà. Beau travail, sucre d'orge. Retournons à Erdel. Le jeu lag sur les îles de Davrenne. Non, mais en fait, le jeu lag de manière générale. Genre, tu verras que des fois, il y a des lags même quand on n'est pas dans les îles de Davrenne. Je crois. Je crois que c'est juste parce que mon PC, il est pas fou. Et du coup, bon, bah, l'émulation, c'est pas trop son truc, quoi. Tu as fini le travail encore plus vite que j'imaginais. Voilà ta récompense. Du coup, j'ai... Merci. En fait, que dirais-tu de travailler pour moi à plein temps? Je prendrai soin de toi. Ah! Je dois y aller. Oh, petit coquinou. La façon dont il nous traite, oui, je... Oh, j'aime pas. Non, non, j'ai pas envie non plus, sache-le. Ah, il nous en manque qu'un. Il nous en manque qu'un, je crois, et on passe niveau suivant. Il nous en manque qu'un et on est sur le niveau suivant. C'est où déjà le... Ah oui, c'est le... Ah oui, c'est vrai, le menu dans le jeu, c'est X. On a une quête de lui. Ah, yes. Trop bien. Toujours... toujours bizarre ces quêtes. Attendez. Je fais un truc, c'est mettre mon téléphone à charger. Ah oui, mais mon chargeur, il est pas là. Mince. Attendez. Votre chargeur, il est juste là. Aïe. Ah. Ah. J'avais le chargeur sur la tête. Ça faisait trop mal. Enfin, genre, en gros, vu que mon casque, il est un peu en métal, du coup, ça... Ah, mais le... Attendez, parce que... C'est X le menu. Peur que c'est X le menu. Attendez, parce que j'ai plus de son. Donc je sais pas si on m'entend toujours. Je sais pas si on m'entend toujours. Ah bah oui, on m'entend, mais moi j'ai plus de son. Attendez, mais... On a mon micro, mais moi j'ai plus de son du jeu. What? Ouais, non mais... Ah ok, donc ça vient même pas... Pourquoi j'ai plus le son du jeu du coup? Oh! Et où? Bah oui, non mais il y a plus de son tout court. Mais je vais péter un câble. Hein. Mais putain, mais pourquoi il y a plus de son? Je fais comment pour le remettre? Je fais comment pour remettre du son? Audio settings? Non. Bitrate automatique, volume. Bah ouais, mais...
Par contre, Nintendo DS, c'est tellement officiel. Mais le truc, c'est que genre là, je peux pas sauve... Mais attendez, j'ai sauvegardé après la quête. Donc je peux juste reset le jeu. Vu que j'ai sauvegardé juste après la quête. Ok. Ok, donc normalement, ouais, c'est bon. Je... Ah ouais, mais j'ai toujours pas de son. What? What? Mais j'ai toujours pas de son. Oh, mais il faut que je ferme l'émulateur carrément ou quoi? Faut que je ferme carrément. Je sais pas s'il faut carrément que je le ferme et que je le rouvre. Ouais, non, mais ouais, c'est la meilleure des solutions, hein. Heureusement que du coup, que j'ai pas relancé de quête parce que sinon ça aurait été un peu casse-pied. Fail. Hop, on lance le jeu. Pourtant, j'ai le son dans mon casque, hein, donc c'est vraiment juste un problème de l'ému, hein. C'est bon, il y a le son. Commencez à jouer. Bon, je suis désolée hein, s'il y a ce genre de petites interruptions comme ça. Hein. Mais bon. En fait, mon PC, il est capricieux. Ah, vous avez pas le son? Ah oui, il n'y a pas le son, effectivement. Voilà, là, il y a de nouveau le son. C'est bon. Parfait. Bon, du coup, alors... Voilà, c'est bon. Bon, ce genre de petits soucis, c'est pas censé arriver si j'avais un PC qui avait des ports USB qui fonctionnaient correctement. Voici les quêtes actuellement disponibles. Du coup, ouais, il faut faire la quête de rappel à l'ordre. Encore du même gars. Encore du même gars, j'en peux plus. C'est encore de ce gars-là qui nous parle bizarrement. Être insolent, c'est une chose, mais ne pas travailler, c'est carrément inacceptable. Va voir, ok, à l'est. Bon courage. Et du coup, ouais, il faut retourner à l'endroit où on était tout à l'heure, en fait. C'est encore ce gars, j'en peux plus. Non, mais ce gars, non, mais au secours, il est détestable, hein. Il nous prend vraiment pour notre esclave, quoi, c'est trop. Vraiment, le pire des... Ouais, non, mais vraiment, je pense que c'est l'un des pires persos du jeu. Je les connais pas tous, hein, mais c'est l'un des pires persos, quand même. Bonjour, trésor, c'est si gentil de venir m'aider tout le temps. Pas de problème. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Mon nouvel employé est un vrai tirouflant. Je ne sais vraiment pas quoi faire de lui. J'aimerais que tu lui montres l'exemple pour qu'il voit comment on travaille. Je vais essayer. Où est-ce que je peux le trouver? Sûrement en train de paraisser dans un coin pour changer. Je vais l'appeler. Hé, hey, le nouveau, tu m'entends? Viens voir un peu par ici. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé là. Qui se prend celui-là? J'ai fait venir quelqu'un qui va t'apprendre les ficelles du métier. C'est moi, enchanté. Ok. Ok. On t'a jamais appris à te dire bonjour? Oh, on dirait les... En fait, il me fait penser aux gamins là au collège qui genre ils connaissent pas la politesse. Littéralement, c'est la même chose. Ouais, ça va aller. J'ai pas que ça à faire, moi. Quoi? Allons, les garçons, on ne se chamaille pas. Tu es prêt, sucre d'orge? Oui. Je m'en occupe. Tu me rends un énorme service. Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Oh, est-ce que c'est encore le même truc de la caisse? Le jeu est tout le temps comme ça ou les mecs qui le rendent bizarre graphiquement? Je sais pas du tout. J'en sais foutrement rien, mais non, je pense que ça doit être le jeu qui est comme ça. Après, j'ai jamais joué au jeu sur vraie console, donc j'en sais rien, mais... Donc je sais pas. Tu vois ces 4 conteneurs là-haut? Le jeu graphique. Ah ok, donc il est vraiment comme ça de base, ok. Ouais, c'est juste le jeu qui est bizarre. Enfin, qui est bizarre graphiquement. Il faut en placer une sur... Oh mais on a déjà fait une mission comme ça! Oh mais il y avait pas déjà une mission comme ça plutôt dans le jeu? Genre fallait placer des trucs sur des plaques? Il y avait la même chose! Ah ouais! Donc en fait il recycle des missions, c'est pas bien. Il recycle des missions. Mais comment on fait déjà cette mission? Ah oui. Oui, non, je sais. Faut monter là-haut. Faut faire descendre le truc. Le jeu, il recycle. Bouh. Bon, après, bon, il y a pire. Hein. Descendre du robot pour examiner. Thank you.
Non, il ne recycle pas. Bah, c'est rassurant, dis donc. Ok, il a assez mangé, bien fait. Attendez, hop, il faut descendre. Une surprise. Ah ok, donc il se passera un truc, je suppose, une fois qu'on l'aura fait, en fait. Non, je l'ai mal fait, là. Oh. Voilà, ça, c'est du travail sérieux. Faut faire quoi, déjà, après? Attendez. On fait comment, les autres, déjà? Ah, il faut pas céder des caisses pour monter là-haut? Si. Attendez, il faut que je... Donc, du coup, je reviens choper le robot. Je crois qu'on... Je sais pas si on peut sauter. Ouais, ok, on saute assez haut. Ok, ouais, bon. Je sais pas, j'en sais rien. On se croirait... En fait, c'est comme... en fait, on dirait la... En fait, c'est comme... c'est comme entre des landes. Tu t'es jamais sûr de si tu peux sauter ou pas au niveau du drapeau. Tu sais jamais, vu la physique un peu bizarre du jeu. Et voilà le travail. Toujours aussi impressionnant. Tu as déplacé ces conteneurs comme un pro. Maintenant, à ton tour, le nouveau. Transporte les conteneurs jusqu'à l'entrepôt. Montre-nous de quoi tu es capable. Pff, je suis pas assez payé pour faire ça. C'est ton boulot, alors arrête de râler et remue-toi. Relax. Pas la peine de piquer une crise pour un pauvre tas de caisses. Allez, allez, au travail. Attends-nous dans l'entrepôt, d'accord? Hé! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais les mains vides? Où sont les conteneurs? J'avais pas très envie, là. Je m'en occuperai demain, ok? Tu te fiches de moi? Tu crois que tu vas gagner ta vie en te tournant les pouces? La ferme! Tu commences franchement à me saouler. Occupe-toi de tes oignons. Argue! Là, tu dépasses les bornes. Si tu refuses de m'écouter... Oh, quoi? Tu veux te battre? Je suis ceinture noire de tous les arts martiaux. Le mec, il y a une hésitation, donc ça veut dire qu'il est même pas sûr de ce qu'il raconte. Hein. C'est ce qu'on va voir. Amène-toi. Oh non, c'est un combat contre lui. Putain, la flemme. Bah, il est trop simple, en fait, littéralement. J'ai vraiment pris qu'un dégât et c'est tout. Ouah, les plans comme ça. T'es trop fort. Désolé, tu fais pas le poids, gamin. Patron. T'as dit quelque chose? Patron. Laisse-moi t'appeler patron. C'est une blague? C'est pas moi qui paie ton salaire. Oui, non, mais vraiment, genre, je me suis pris qu'une seule fois un coup et c'est tout. Hein. Après, je l'ai démonté. Hein. Donc le gars, il fait genre « Oh, je suis trop fort, les arts martiaux !» Ouais bah, mec, dans un robot, t'as pas besoin de savoir maîtriser les arts martiaux, en fait. Je suis sérieux, je te suivrai jusqu'au bout du monde, patron. Oh là, pas la peine de s'emballer. Commence déjà par travailler sérieusement. D'accord, patron, je travaillerai dur comme tu me l'as montré. T'as intérêt. On dirait qu'il a compris la leçon. Tout est rentré dans l'ordre. Bah, j'espère, heureusement, qu'il s'est rentré dans l'ordre. Je crois qu'il a compris qu'il devait faire des efforts. Oui. Vraiment? Excellent travail, sucre d'orge. Je savais que je pouvais compter sur toi. Le patron m'a remis les idées en place. Je suis prêt à travailler pour de bon. Et j'ai pris une décision. Tu seras mon patron pour la vie. Arrête de me prendre pour ton patron. Je t'ai déjà dit que c'était pas moi. Bref, je pense que tout est réglé. Il a promis de faire des efforts. Tout ce qui compte, c'est qu'il travaille sérieusement. Voilà ce que je te dois. Merci. Je suis épuisée. Je ferai peut-être de nouveaux appels à toi. Bientôt. Ok. Bon bah... Allez, on a terminé la quête. Et du coup, on passe désormais niveau rang 4. Donc maintenant, je peux entreprendre des quêtes de rang 4. Oui, non mais c'est trop...
Franchement, je prends pas pour une mule. Ouais, en vrai, mais en vrai, c'est un jeu. Dis-toi que, en vrai, le jeu, il est sorti en fin de vie de la DS. Donc, dis-toi qu'en vrai, s'il était sorti en début de vie de la console, le jeu aurait été peut-être potentiellement beaucoup plus moche. Bah, après, techniquement, c'est un jeu qui est optimisé pour DS. Donc, c'est un jeu sur un petit écran. Peut-être que oui, vu que c'est sur un écran plus grand, c'est déjà un petit peu plus moche. Ah, les quêtes additionnelles disponibles. Du coup, c'est quelle quête qu'il faut faire, hein? Oui, non, mais en vrai, là, c'est un jeu sorti en fin de vie, mais ouais. C'est quelle quête qu'il faut faire, du coup, pour avancer dans l'histoire, hein? Genre, les deux, elles servent à... Oui, non, mais là, oui, il serait vraiment encore plus moche. Ah, il faut y aller? Genre, faut pas prendre les quêtes d'ici? Attends. J'oublie tout le temps que c'est X. Non. Attends. Non. Je comprends pas. Ça y est, je suis déjà paumé, ça me saoule. Ah oui, ok. Ok. Destination. Du coup, ouais, il faut aller à... Voilà, ici, en route. Oh! La musique de la zone est sympa. Attends, je vais lui parler. Alors, tu as trouvé des... Des carapaces de scarabée? Non, pas encore. Ah, ok. Bon, il faut aller voir les... Garçon... Ok, bon. Il faut aller là-bas. Ah, il faut aller parler à l'office de quête, du coup. Ok, il faut lui... Ouais. Voilà, les quêtes actuellement disponibles, ok. Du coup, il faut faire laquelle, du coup? Il faut faire la deuxième ou la première? Je crois qu'il faut faire la deuxième. Ok, bon, je fais la première quête, du coup. Ok, je fais la première quête. J'ai cassé... Ok. Ok, bah, je fais la première quête, du coup. Baba, demande pour en savoir plus, il se trouve sur le pont de la... Chouette. Ok, ouais, il est là-bas, en fait. Bon. La meuf qui dit bonjour, j'ai envie de la gifler avec sa voix aiguë, là. Oh, non, mais en vrai, je sais pas quel est le plus insupportable entre ce perso et l'autre con, là. Non, en vrai, il y a des persos insupportables dans le jeu, mais ça va. C'est vous qui avez besoin d'une charmiflute, non? Oui, c'est moi. Merci de venir m'aider. J'en ai besoin pour mon travail, tu vois, mais j'ai cassé la mienne. Heureusement, j'en ai une de rechange dans ma réserve. Oui, c'est un perso important, je doute. L'ennui, c'est que le passage qui y mène est envahi de plantes à vide. Attends, c'est bien plantes à vide? Elles essaient de me croquer à chaque fois. Je n'ose plus y mettre les pieds. Vous ne pouvez plus aller chez vous? Le comble, c'est quelle maison? Celle que tu vois là-bas. La porte est ouverte, tu peux entrer comme tu veux. Une fois à l'intérieur, prends le couloir sur la gauche. C'est cette maison? C'est cette maison? Ou... Je suppose. Aïe, mais... Faut pas aller. Lâchez-moi, mais... La charmiflute est quelque part par ici. Ah, il y a des insectes ici. J'ai intérêt à trouver la flûte avant de me faire repérer. Je crois qu'il faut... Ouais, voilà. J'ai la flûte, filons. Fin du combat, bah ouais, on se casse en vrai, parce que c'est bon. Ouais, non, mais c'est complètement con, il est viré de chez lui, genre à cause d'insectes. C'est super débile, mais ok. D'ailleurs, sa maison, elle est spéciale, genre... On dirait une maison de Mario RPG. Enfin, on dirait un lieu dans Mario RPG, je veux dire.
Désolé de vous avoir fait attendre. Voilà votre charmiflûte. Puis on lui a donné la charmiflûte. C'est bien ce que vous voulez ? Oui, c'est tout à fait ça. Voilà ta récompense. Ah donc vraiment, la mission, elle est ultra simple, on va être genre vraiment. Je ne peux pas poursuivre mon dressage sans cet instrument. Vous dressez ce... coccignon ? C'est ça ? Tout juste, on peut les monter pour traverser le rucher. Mais l'endressage nécessite une charmiflûte et des perles de miel. Ils comprennent un peu notre langage, d'ailleurs. On est amis, tu vois. Mais pourquoi elle l'a fait en première ? Il y en a un autre dans le rucher, sur la droite. Tu peux t'en servir si tu veux. Merci, ces perles de miel. Vous avez parlé, qu'est-ce que c'est ? Tu peux les prendre aux insectes du rucher. Donne une perle de miel à un oxygnon pour l'amadouer. Ok. C'est la progression, oui. Toujours sauvegarder. Toujours bon de sauvegarder. Du coup, maintenant, on retourne faire l'autre quête ? Ouais. Ouais, il faut faire l'autre. Oui. Des scarabées, hein ? J'apprends peut-être quelque chose sur leur carapace. Va voir le chef du village. Tu le trouveras dans le jardin du chef derrière le pont de la girouette. Et c'est où ? C'est là-bas. Ouais, c'est là-bas. J'ai vu. C'est pratique, n'empêche. Et pour y accéder, dans son secteur, moi, élève des coccignons. On les utilise pour récolter des perles de miel. Et recueillir le miel du lac du miel. Ok. Ouais, du coup, il faut aller là-bas. En fait, je suis un peu débile, mais il fallait aller. C'est vous qui avez passé une annonce pour exterminer des scarabées ? C'est bien moi. Tu veux accepter ce travail ? Oui. Et j'aurais aussi une question sur la carapace de ces insectes. Leur carapace ? On les utilisait beaucoup à une époque, mais c'était il y a longtemps. Revenons à nos moutons. Une scarabée a élu domicile dans le rucher. Et ça ne va pas aller si elle nous empêche de récolter notre miel. Oui, j'imagine. Je vais m'en occuper. C'est vrai ? Merci beaucoup. Je vais m'arranger pour que tu puisses accéder au rucher Est. La scarabée est un insecte qui porte une ruche sous le ventre. Tu ne peux pas la manquer. Avance tout droit dans le rucher jusqu'au gobe-mouche. La scarabée devrait être par là. Très bien, commençons. Commençons par trouver ces gobe-mouches. La scarabée en question a mué plusieurs fois, ce qui la rend encore plus agressive. Et... bonne chance. Pourquoi est-ce qu'il a existé ? Ouais ? Du coup, il fallait où ? Ah ! Mais... oh, mais... J'étais bloqué, en fait. Ok. J'ai récupéré un cristal. Mais je suis censé aller où ? De l'autre côté. Bah oui. Bah oui, de l'autre côté. Bah oui, non, mais en même temps aussi. Ok. Le machin... Ça va grouiller de bestioles là-dedans. T'es prêt, Moi ? Tu veux que je vienne avec toi ? Ça te pose un problème ? Non, pas du tout. Alors, c'est parti. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Faut, genre, dégager toutes les caisses ? Il y avait un truc qui brille. D'accord. Bref. Ouais, ok, j'ai obtenu un morceau de la photo. Ok, bah c'est bien. C'est pas ça que je voulais, moi. Du coup, je suppose que maintenant que j'ai tout éliminé ici, il faut que j'aille là-bas. Ouais, ok, j'avance. Parfait. Ok, bah c'est ce qu'on va faire maintenant. On avance. Oh. C'est plein d'insectes et de champignons ici. Elle vise un peu celui-là.
des quêtes de qualité et c'est digne de Sonic 2006. C'est méchant quand même. Mais après, genre, tu vois, il y a tout un lore, une histoire et compagnie, donc en vrai, bon. Les quêtes, elles ont l'air un peu naze, mais après, t'as tout un lore qui se développe, etc. Enfin. Génial, vraiment génial. Elle, pourquoi est-ce que tu fermes les yeux? Pour rien. Ouais, voilà, ouais, non, mais les quêtes, elles sont un peu débiles. Ne me dis pas que tu as peur des insectes. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi tu bafouilles comme ça? Ah! Oh, début du combat, mais je te pète dessus, moi! Allez, casse-toi! Fin du combat, bah, le combat, il était super court. Allez, hop. Combat terminé en 2-2. On est censé faire quoi, maintenant? Il faut aller là? C'est un peu le seul chemin qu'il y a, donc bon. Oui. C'est vrai qu'il y a un bouton sauté ici. Dans ce jeu. On dirait bien un gomme-mouche, mais le chemin s'arrête ici. Derrière, début du combat, fin du combat, même. Même dans FIFA. Oui, non, mais vraiment, genre, littéralement, le texte début du combat a duré. Il a duré 2 secondes. Et juste après, 2 secondes après, t'avais fin du combat. Genre, c'est vraiment. Cette plante est peut-être la clé. Début du combat. Attends. Faut que je le mette là-dedans. Faut que je les mette dedans? Ou c'est juste moi qui... Oui, voilà. Regarde ça. Ah! Le gomme-mouche a poussé d'un seul coup. Je crois qu'il est assez grand pour que nous puissions y grimper. Ok. Toujours sauvegarder. Le boss! Oh, let's go! On va affronter un boss et je vais me faire péter la gueule. Trop bien. Là, tu vois la ruche, le jeu en vente, c'est la scarabée, pas de doute. Non! Qu'est-ce qui t'arrive? Le cri, par contre, il était magique. Je ne supporte pas les insectes. Ah! Je le savais, tu as peur des insectes! Dépêche-toi de l'écraser, vite! Putain, dirait Madarone. En sautant, appuie rapidement sur le bouton B pour rester en l'air plus longtemps. Quand ça, appuie rapidement. Ça veut dire quoi, ça? Tu peux utiliser cette technique pour éviter les pièges et les... Les pièges et les attaques qui balaient le sol. Mais comment ça, appuie... Hein, je le comprends pas. Ah! Bah oui, non mais... Ouais, non mais... Ah, je vais crever. En fait, j'arrive pas à pré-shoot les attaques. Ah mais... Ah, je vais crever. Merci beaucoup pour le follow. Ah, merci du follow. Ouais, merci beaucoup du follow. Oh putain. Ah mais... Ah mais... C'est du poison. Je vais mourir à cause d'un combat aussi. Ouah, quel boss de qualité. Non mais en fait je suis juste très nul donc. Quand tu sautes une fois après, puis sur vous tombez pour un peu flotter. Ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, ok. Aïe, mais...
Je vais mourir. Mourir. Et c'est là que je meurs avant que le boss crève. C'est là. Non, c'est bon, j'ai buté le boss avant de mourir. Oh, j'étais à pas grand chose de crever. J'étais à que dalle de mourir. J'étais à que dalle. Pfiou, sacrément agressif comme insecte. Oui, bah oui, j'ai failli mourir. Je me prenais un coup et c'est bon, je mourrais. Hein. Hey, pourquoi tu fais cette tête? Tu n'as plus rien à craindre. Je n'aime pas qu'on me voit perdre mon sang-froid. Oui, non mais vraiment, c'était un coup, je mourrais. Et c'est pas grave, je crois que je commence à te cerner un peu mieux. Aucune chance que tu oublies ça, n'est-ce pas? Viens, il faut qu'on aille dire au chef du village qu'on a terminé. Ouais, ça aurait été long. Mais en fait, j'avais pas compris comment ça marchait, le fait de pouvoir fly un peu au début du combat. Enfin, de pouvoir fly, donc voilà. Bon, voilà, j'ai réglé de votre problème. Y'a pas un problème dans ta phrase, là? Bon, faisons comme si cette erreur n'existait pas. Bravo, je doutais de tes capacités, mais je vois que j'ai eu d'or. Voici ta récompense. Faute de traduction, bah elle est sacrément bizarre votre faute. Bah elle est sacrément weird votre trad. Je croyais que tu allais être paralysé de peur face à cet insecte. C'est plutôt notre acolyte qui est mort de peur. Wouah. Ils ont fait des économies. Moi, jamais. Par contre, j'en connais un qui ne faisait pas le fier. Pas vrai, elle? Pardon? Donc, vous ne savez pas vraiment. Donc, vous ne savez vraiment pas où je pourrais trouver des carapaces de scarabée? Tu devrais aller voir l'endroit où la scarabée a mué. Ça devrait être au cœur du rucher. Mais il te faudra voyager à dos de coccignon pour aller aussi loin. Si tu ne sais pas où en trouver un, parle au dresseur d'insectes sur le pont de la girouette. Génial, merci. Pitié, sauvegarde. Voilà, oui, sauvegardez. Maintenant qu'on sait où trouver ces carapaces, on n'a plus qu'à aller les récupérer. En route, elle. D'accord, allons-y. Elle n'est pas très convaincue, visiblement. Il faut retourner au truc des quêtes. Il faut retourner au truc des quêtes, je pense. Aucune annonce. Ok. Ah, il faut aller là-bas, ok. Je viens de le voir sur la carte. Non mais je viens de le voir. Il faut aller là-bas. Ok, on va là-bas. Il faut aller tout en face. Puis à droite. Voilà, c'est pas dur. C'est juste un petit saut. Ok, parfait. Y'a quoi là-dedans? Ok, de l'argent. Ren, tu n'oublierais pas quelque chose? Ah, il faut d'abord qu'on lui donne une perle de miel, c'est ça? Il devrait y en avoir dans les environs. Viens! Les environs. Faire quoi? Littéralement, il dit que c'est ici. Va tout à gauche. Je suis censé faire quoi? Littéralement, il dit que. Il faut pas genre analyser avec le. Sur la carte, va à gauche. Ok. Attends. Ah voilà, parfait. Oh, cet insecte porte quelque chose. Ça ressemble bien à une
perle de miel. Je la prends. Waouh. Il ne reste plus qu'à porter ça. Aïe, mais... Oh là là, les quêtes où tu dois porter des objets d'un point A à un point B, ça m'a toujours saoulé. On dirait qu'il veut qu'on monte sur son dos. Allons-y! Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Mais oui, allez, c'est pour ça qu'on est venu ici. Burke. Je retiens que du coup, il se déplace à dos d'insectes, de gros insectes géants, pour aller d'un point A à un point B. Ce qui est pas ouf, mais ok. Chocolat, on y est. Combien de carapaces il nous faut déjà? Daimundo dit qu'il en a besoin de 7. Ok. Merde. De long du chapitre 4. Ok. Bon, ils sont chiants là. Début du combat. Il faut que je fasse quoi? Faut que je fasse quoi? Mais attendez. Ok. Ah mais lâche-moi. Le truc qui brille, c'est bon, il n'y en a plus ici. Ouais, c'est bon, normalement j'ai récupéré le seul truc qui brille ici. Il y en a genre partout dans toutes les zones. Des trucs comme ça. Oh, ça va être chiant. Ça s'annonce long. Je crois que vous pouvez descendre à l'aide de cette laine. Casse-toi. Du coup... Liane, je suppose, on y descend qu'avec Red, ouais, voilà. Du coup, voilà, carapace. Il y en a deux ici, en fait. Ok, donc on en a déjà trois, en fait. Il y en a déjà trois. Tu tires sur des carapaces. Oui, non, mais t'inquiète, c'est parce que genre j'arrivais pas à faire examiner, je... Ouais, du coup, il y a encore des lianes ici. Ah, mais en fait, on peut paralyser les ennemis comme ça ? Ah ouais ! C'est vrai ! Ok, j'ai une carapace. Attends, on peut monter là? Ça sert à quoi? Ah, parce qu'il y en a une autre. Parce qu'il y en a une autre. Mais, putain, mais j'arrive pas à faire examiner. On veut pas retourner rien sur un stream, déjà. Si jamais... On peut pas retourner dans un... Littéralement, le principe d'un stream... C'est littéralement... Ben, une diffusion en direct. Plus qu'une, continue comme ça. Ouais bah, plus qu'une, continue comme ça. Si j'arrêtais de me faire aggro toutes les 4 secondes... Putain, on dirait les charros sur Instagram, là. Bah, en fait,
Tu veux clipper un truc? Bah tu peux... En gros, tu peux clipper parce que c'est un peu comme quand c'est un... Enfin, si c'est le terme que tu voulais dire. Si tu veux faire des clips, tu peux clipper parce que c'est un peu comme sur Switch où genre tu peux clipper genre 30 secondes après le moment passé. Du coup, c'est comme ça que ça marche les clips sur des diffusions en direct. Mais du coup, il faut que j'aille où maintenant? Je peux faire quoi en fait? Parce que là, je peux rien faire en fait. En arrière. Ouais. Ah oui, voilà, il faut que j'aille là, je suppose. Voilà, carapace de scarabée. Oui, voilà, c'est les 30 dernières secondes, ouais. Et ça, on fait 7. Bah, au pire, tu pourras toujours clipper une fois le stream fini et retrouver le timecode. Pfiou, enfin. Je trouve un peu pâle. Ça va? J'étais juste dans la lune. Ça a presté. Ok. Dépêchons-nous de rapporter tout ça à Daimundo. Je le prononce Daimundo, mais je suis même pas sûr que ça se prononce ainsi. Hein. Tu m'as déjà fait plein de fois des remarques sur ma prononciation un peu douteuse des persos du jeu, mais... Red égale sapristi. J'en ai marre de faire Y hein, sans exprès. Hein. Tu viendras à la rediff. Attendez, mais... Ah, faut retourner. Bon bah, on attend. Hein. Je saignerais des yeux juste pour clipper ça. Ah, c'est méchant quand même. Hein. La méchanceté gratuite envers ce robot quand même. Je suis prêt à tout. Ah bah ouais. Hein. Aïe, mais je suis bouffé la plante dans la tronche. Il faut retourner ici. Oh, pas sympa pour ce jeu. Ce superbe jeu. Bah en vrai, il est sympa hein, à jouer, j'aime bien. On est enfin sorti. Oui, on dirait. Je parais que Daimundo va se plaindre qu'on l'a fait attendre. On dirait le fait qu'on est persuadé du fait que Red se plaigne. Enfin bref, personne ne comprend. J'ai trouvé tout un tas de carapaces. Ça devrait être largement suffisant. Je dois dire qu'elles sont splendides. Je vais enfin pouvoir finir les réparations. Quelle bonne nouvelle! Je me mets au travail tout de suite. Ça ne serait pas long. Des bruits de qualité vraiment. Et voilà le travail. L'Asmo 2, c'est comme neuf. Génial, merci Daimundo. Maintenant, on pourra s'enfuir si on se fait encore attaquer. Hé, soyez quand même prudents, les jeunes. Promis, merci encore. Allez, en route. À suivre. Ah, on a déjà fini le chapitre? Mais dis donc. Oh, une cinématique. Je sens l'insecte Burke. J'ai besoin d'une bonne douche. Hein? Désolé, je ne savais pas que tu étais là, mais... Quoi? C'est quoi, ça? Glitchy, si tu veux être sympa, tu expliques à Momo pourquoi je joue au jeu. Merci. Pourquoi tu nous as pas dit que t'étais une fille? Personne ne m'a posé la question. Mais pourquoi est-ce que tu fais tout comme un garçon?
C'est juste une habitude, je suppose. Une habitude ? Arrête un peu, t'es une fille, agis comme telle. Je fais ce que je veux, d'abord. Soit, mais quand même ! C'est pas sympa de mentir aux autres et de cacher qui tu es réellement. C'est bon, calme-toi un peu. Comment tu veux que je me calme alors qu'elle nous a bernés depuis le début ? Oh, un appel ! C'est encore Québec. Toujours en vie ! Je sais que les îles de Davrine n'ont pas été tendres avec vous. Ça a l'air pas ouf. Eh mais vraiment, vous êtes des aigris de la vie, c'est incroyable. Sûr que vous savez encaisser les coups. Vous voulez connaître la destination de l'unité spéciale ? Les mines de Shetland. Merci, monsieur Québec. Sois prudente, petite chocolat. Et toi aussi, Red. Préparons-nous pour aller à Shetland. Let's go. Ils n'ont pas connu les meilleurs jeux. Pas connu les meilleurs jeux tout de suite. Chapitre 5, deux prisonniers. Du coup, c'est-à-dire que je suis à la moitié. Let's go. Je suis officiellement à la moitié du jeu. Enfin, je suis à la moitié de la première partie du jeu, pardon. Ça a presque... Bon, aucun signe du navire qui nous attaquait aux îles de Davrine. Et donc j'étais un œil, je vais rester à bord de l'Asmodeus. Ok. Où est-ce qu'on va du coup ? Faut aller où ? Il nous faut plus d'informations. Tu veux parler à tout le monde ? Ah, il faut parler aux gens, bah oui ! Oh là là, mais on est dans Animal Crossing ou quoi ? Je demande la garde pour m'assurer que personne de louche n'entre dans la ville. Ok, il faut lui parler à lui. Les Courvaz manigancent quelque chose dans la mine ouest. Les Courvaz ? J'ai retenu, n'est-ce pas ? Courvaz. Ouais, ok. Peut-être qu'ils cherchent quelque chose ? Pas loin de la fin. Bon, félicitations pour jouer à ce jeu tout court MDR. Mais t'étais un peu méchant, hein. J'ai vu des Courvaz fouiner autour de la maison du maire. Je me demande pourquoi le maire ne les a pas encore éjectés d'ici. Sa maison, tournez à gauche, puis suit la rue du Pic. En effet, les Courvades sont bien là. Allons d'abord voir ce qui se passe chez le maire. Punaise, je bégayais. Il y a beaucoup de travail et nous n'avons pas assez de minerais en ce moment. Ok. Il faut aller où du coup ? Je pense qu'il faut aller de l'autre côté. Je pensais que... C'est mon jeu, il est bien fait. Hé, le chasseur, tu dois laisser ton robot à l'entrée. Hein ? Je peux savoir pourquoi ? Ce sont les ordres, on est en état d'alerte. Et alors ? C'est pas moi qui les ai reçus, ces ordres ! Ne fais pas d'histoire, Red, fais ce qu'il te dit. Désolé, l'ami, reviens ici quand tu veux pour récupérer ton robot, ok ? Ok. Du coup, on se déplace dans la ville sans notre beau. Du coup, il faut aller prendre les quêtes ? Bah, non. Du coup... Je sens sur Canet de... Normalement... De ce que me racontait Glitchy, c'était... 2011 ? Je crois ? Ouais, 2010 au Japon et aux USA, et après c'était 2011 en Europe. Du coup, il faut aller où ? Ah. Bon, après, c'est un jeu DS, hein, faut rappeler. C'est un jeu DS. C'est pas un jeu 3DS, c'est un jeu de DS. Donc, bon, la 3D, c'est bien foutu, mais on n'est pas sur le meilleur support pour ça. Hein. Tiens, on dirait ce gars du Courvaz. Quel muet, si je me souviens bien.
Et amigo, où est Miss Opéra? Oui, c'est... Elle est chez le maire, au bout de cette rue. Cool, merci. Ça a presté. Qu'est-ce que les courvates font chez le maire, d'après toi? Oui, mais on avait déjà... Est-ce qu'ils sont sortis bien avant? Est-ce que si tu me sors juste Morrison 4DS, c'est un peu de la triche? Ouais, mais Pokémon, c'est pas en 3D, c'est pas de la full 3D. Et en vrai, c'est pas plus mal que les jeux. Bizarrement, il y a des jeux plus beaux. Mais j'ai dit Morrison 4D, j'ai même pas dit Mario Kart, parce que Mario Kart, oui, il est très moche, ça je le sais. Trouvons sa maison et nous verrons bien. Je retourne en arrière. Oh, c'est de la triche, c'est un triple A. Pourquoi tu parles de Mario Kart? Oui, non, mais je sais que le jeu est très moche, mais ce que je veux dire par là, c'est que... En vrai, vous comparez des jeux qui sont pas genre full 3D sa mère, alors que là, c'est un jeu vraiment full 3D, en vrai, j'ai l'impression. Il y a de nombreux courvates ici. Si tu n'es pas prêt... Si tu n'es pas prêt, mieux vaut faire demi-tour. Pas de problème. Bah, je fais. Toi? Je t'attendais, chasseur. Mais je vous 3D même t'as mieux. Ça existe vraiment des jeux complètement en 3D sur DS, en vrai, qui... As-tu déjà oublié la catastrophe des îles de Davren? Cette fois, pas moyen qu'on te laisse partir avec le cristal, Migo. Alors, il est bien un autre cristal, ici. J'en ai encore trop dit? Flûte. Hey. Ça suffit, capturez-les. Oui, c'est... Ah, viens par ici, gamin. Aïe. Non, espèce de... Qu'est-ce que vous lui avez fait? Gah. On essaie de résister, hein. Encerclez-les. Aïe, argue, bat les pattes. Raid. Qu'est-ce qui se passe? Shetland, maison du maire. Miaoui. C'est bien animé dehors, bref. Nous sommes d'accord? Achia. Le cristal est dans la mine ouest. Débrouillez-vous pour le trouver. On a déjà essayé. C'est pour ça que je viens vous demander où il est exactement. Rendez-moi mon fils. Vous le rendre? Écoutez, chérie. Il a rejoint le courvoise de son blingré. Personne ne l'a forcé. Il a été berné par vos mensonges. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça à un garçon innocent? Si vous ne me donnez pas... Si vous me donnez ce que je veux, je pourrais essayer de le convaincre de rentrer. Mais le temps presse. Une mission très dangereuse aura lieu dans 3 jours et il doit y participer. C'est une menace? Miaoui. Oh, vous êtes trop chou. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Oui, non, mais c'est le genre de jeu, typiquement sur la boîte, il y aurait écrit un niveau de français correct et nécessaire pour profiter de l'expérience du jeu. C'est tout ce que j'ai à dire. Qui a envie de lire tout ça, sérieusement? Bah, des gens qui sont passionnés. Et même des jeux où il faut lire, ça va, quoi. Bah, je jouais jamais à des jeux et Satan ni alors. Ne jouez jamais à ça, hein. Littéralement, c'est le principe même. Bande dominable! Laissez-nous partir tout de suite. Vous croyez vraiment que vous allez vous en tirer comme ça? Bah, le maire lui-même nous a autorisé à entrer dans la mine ouest. Le maire? Ça ressemble mieux, Benoît. Je vais vous laisser le temps de digérer ça. Hé hé. Littéralement, il nous a enfermés dans une prison. What? Ils y sont pas allés mollo, ces brutes. Ça me fait toujours mal. Tu es blessé? Quoi? T'en fais pas pour moi. J'ai connu pire. Et bonsoir, Matt le Chou 56. Bienvenue sur le stream. Il était déjà venu. Quoi qu'il en soit, il faut que nous sortions d'ici. Bien d'accord. Ah, c'est ok. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous servir par là. Ok. Hé, hey, oh, Red, elle, si vous me recevez, dites quelque chose.
Ça fait un moment que je n'ai plus de nouvelles. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Bon, on est un peu... On est un peu dans la sauce, mais ouais. Nom de chien ! Par ma truffe, cette porte est toute rouillée, mais impossible de la faire bouger. Je demande s'il n'y a pas quelque chose que je pourrais utiliser. Quelque chose ? Ah ! On dirait une réserve, rien que du bric-à-brac. Te laisse te débrouiller. Ok. Je comprends rien. Ça me... Fus en veille littéralement la... À la table. Ça presté. Quelque chose que je pourrais utiliser. En gros, il faut parler en boucle à la table. Ah, un câble, ça pourrait m'être utile. Si j'utilise ce câble comme ça et... Tadam, on est libre. Ok, en gros, il fallait juste parler en boucle à la table. Bon, en même temps, c'est un peu le seul élément où on pouvait interagir, donc ça m'étonne. Du coup, il faut aller où? Un câble pour ouvrir une prison, oui, c'est un peu débile, mais ouais. Mais pourquoi pas? Il faut aller où? Oh. Ça presté. Graphisme PS1. On est sur un jeu DS, faut pas croire. Tu crois qu'on peut utiliser cet ascenseur? Bah ouais, carrément. Quand Luigi s'amuse avec les meubles, Solato par le table. Red par le table, précisément, oui. Le perso principal s'appelle Soulato, je retiens sur mon Matisse. Ah, il y a une flèche là. C'est-à-dire qu'on peut faire un truc ici. Où sont les robots? Bah, ça tombe bien, à la base, on est dans un gros robot géant. La sortie est bloquée par des rochers. Il y a une foreuse là-bas. Essaie de l'utiliser. Ah bah oui, c'est vrai, en plus du coup, vu qu'on se retrouve en prison sans notre robot. C'est un robot. Appuie sur le bouton A pour prendre une foreuse. Tu peux utiliser les foreuses sur les rochers en appuyant sur le bouton A. Pour poser la foreuse, appuie sur le bouton A sans rien viser. On ne pourra pas soulever cette foreuse sans mon robot. Bonjour, le serial est en ce moment, c'est sur PS. Ah oui, ce qui veut dire que nous devons le retrouver pour sortir. Ta gueule, Wizbot. Mais laisse Wizbot tranquille, tu parles pas comme ça à mon pote, hein. Par contre, vraiment, Wizbot, c'est mon pote, hein. Tu le laisses, hein. Se jeter mon deck. J'espère pour eux qu'il n'est pas cassé. Non, mais attends, non, mais oh. Comment ils respectent pas le robot? Là, on sait jamais. Sur le tout Wizbot, là, il veut pas faire long feu. Mais laisse Wizbot. Non, par contre, j'aime bien Wizbot. Par contre, tu. Après, on va passer en tant que contrée. Ah, ok, du coup, ça va être un truc avec un jeu genre en mode chariot. Ah, je parie qu'on pourrait se servir de ce wagonnet. Sur le tout Wizbot, contrée Return. Return, ouais, quand même. Dans le wagonnet, appuie sur A pour balancer les bras de ton robot. Balance tes bras pour récupérer les objets situés au bord des rails quand tu passes près d'eux. Puis sur bouton B pour faire sauter le wagonnet. Saute pour éviter les rochers et autres obstacles sur ta route. Ah oui! Putain, c'est vrai, dans Mario RPG, il y a un chariot. J'avais oublié ce détail. Ce jeu à plagier Mario RPG, voilà là. Ah, je me suis fait repérer. Hé, comment t'es sorti de ta cellule? Nom de chien.
Et c'est toi qui n'arrêtais pas de me fraquer. Ça va saigner. Ah, merci de follow. Merci beaucoup pour le follow. Ah. Ah, stylé le scam. Hein. C'est pour tuer les robots entre... Je comprends pas. En gros, il a marqué un lien chelou, je crois, à mon avis. Après, il despawn. T'en fais voir le lien? Ok, ouais, en gros, c'est un gars, en gros, c'est un site pour soi-disant acheter des viewers et compagnie, mais en fait, ça doit être de la pure arnaque. Non, mais en fait, littéralement, Wizbot, il a automatiquement supprimé, donc tout va bien. Alors, comment vous avez trouvé le cristal? Réponds! Tu crois vraiment que je vais te le dire? On se reverra! Ouais, non mais le gars, il est trop con. Vas-y, les gars, ils sont trop cons. Les mecs, le premier truc qu'ils font, c'est se faire... Ça me fait meurtre. Wizbot a banni machin pendant 86 400 secondes. Je retiens. Hé, hey, reviens ici! Ne t'en fais pas. S'il l'avait trouvé, il serait déjà parti. Donc les Courvats n'ont pas encore mis la main sur le cristal. Bonne nouvelle. Bah oui, parce qu'ils sont débiles dans ce jeu, visiblement. C'est bon, il y a un truc qui brille par terre. Oui, non, mais il y a toujours des gens chelous, là, pour faire des trucs bizarres, genre envoyer des liens bizarres et troller tout le monde. Alors... Faut que j'attrape le rocher? Mais j'y arrive pas! Aïe! Mais j'y arrive pas! C'est trop dur! Mais t'attrapes comment le rocher? Mais d'accord, t'es censé... Ah. Prends la fourreuse et casse le mur de pierre. Tu me saoules. Voilà, casse-toi. Je fasse quoi avec cette caisse? Attends, il y a une caisse là. Il y a une caisse là. Attends. Ok. Est-ce que je peux pas y aller? Je peux pas m'en servir depuis. Bah oui, bah non, mais je suis pas conne. Comment on fait un don? Bah tu peux pas donner parce qu'il y a pas les dons. Mais je suis censé faire quoi? Je suis censé aller prendre le... Fait que sur qui que c'est mieux? Bon.
On se casse d'ici, hein. Faut activer les dons, ouais bah. Mais j'en ferai quoi de l'argent? Enfin dehors. Je vois un bateau. La chance nous sourit. On n'a qu'à l'emprunter pour retourner au port. Alors. Non mais juste. C'est quand même le truc le plus horrible du monde. Genre tu t'achètes un truc personnel avec les dons de tes viewers. Vous vous rendez compte du truc? Faut aller où? Faut faire quoi? Il faut aller où? Ah, faut aller là. Parfait. Ouais, non mais... Oui, non mais il faut arrêter de se foutre de ma gueule et... Mais on n'avait pas déjà croisé ces trucs en début de jeu? Mais attends... Waouh. Streamer des jeux avec la console. Ouais, mais streamer des jeux avec une console qui n'est pas modifiée techniquement, bon. Je crois que j'ai gagné, ça fait comment pour acheter leur setup? Bah, ils l'ont pas fait qu'avec les dons. Oui, non, mais c'était du setup pour... c'était du setup de stream. Tu vois? Genre, littéralement, la console, faut acheter une... Faut la faire modifier et tout pour streamer une DS. Faut la faire modifier, faut la... C'est comme la 3DS, techniquement. En dehors de la New, fallait acheter les modèles, les 3DS Capture Card. 3DS Capture Card qui... bon, maintenant, si tu veux en acheter une, ça coûte super cher, mais... Maintenant, si on s'en procure une... Et en plus, tu peux... Genre, il faut faire envoyer ça pour console, je sais pas trop quoi. Bref. Il est là un peu délabré, mais il devrait marcher. Marcher? Ramper, peut-être? Et encore? T'inquiète, on y va. Bah on va s'échapper, hein, mais évidemment on est des gens intelligents, on s'échappe d'ici. Je crois que Carmeno il fait comment pour s'acheter sa 3DS de fou? Sa 3DS modifiée de fou pour streamer. Oui, il a dû l'acheter, oui, avec les dons, tu vois. On y sera, on n'a rien de temps. J'espère, parce que ça se couvre vraiment. Ouais, un peu trop même. 3DS droquée aux pièces. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Le moteur surchauffe! La poisse! 3BS? Elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Bon, c'est pas vraiment ce que j'avais prévu. On a bien failli finir au fond de la merde des nuages. Mais on est tous les deux sains et saufs. On a de la veine quand même, non? Sans commentaire. Hé, hey, on est coincé ici à cause de vous. J'allais emmener ce vieux à la casse. Vous êtes dingue d'avoir essayé de faire voler ce tas de ferraille. Ah. Désolé. Bref, si on veut sortir d'ici, il va falloir faire exploser ce bateau. Heureusement qu'il y a des explosifs un peu partout par ici. Place 3 charges explosives ici pour détruire le bateau. C'est compris? Ouais, compris. J'ai un détonateur. Préviens-moi quand tout sera prêt. Du coup, il faut aller chercher des explosifs. Donc là, il faut en ramener 3. Moi, j'y fais, j'y crois pas au fond. Il faut en ramener une troisième. Je sais pas où. What? Ah, il y en a un là-haut. Faut le... Voilà, je me disais bien. Voilà, parfait. Monter. Hop. Du coup, maintenant, il faut aller lui parler. Salut. Bon travail, ça va péter.
coup, ça, du coup, des grosses caisses explosives, ça fait exploser un bateau entier. D'accord. Du coup, il n'y a plus de bateau. Et il y a un wagonnet derrière le bateau. Voilà, on peut passer. Allez, au boulot. Allez, encore Donkey Kong. Et voilà. On est arrivé ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une porte. J'espère que c'est la sortie. Il y a un gros bouton. On dirait qu'elle est contrôlée par cet interrupteur. Je sais comment ça marche. Il suffit que je trouve quelque chose de lourd. Bah, on va fouiller. On va sauvegarder par la même occasion. Est-ce que c'est assez lourd pour le mettre sur l'interrupteur? Je pense que oui. Bah non, parce que c'est une caisse en bois. C'est une caisse en bois, donc c'est forcément pas assez lourd. On peut descendre par cet ascenseur pour explorer les pièces qu'on a passées. Je crois qu'il y a quelque chose qui pourrait nous être utile. Allons voir. Oui, il faut descendre. Je crois qu'il y avait justement une grosse caisse. Ouais, voilà. Ce conteneur devrait faire l'affaire. Charge-le sur l'ascenseur avant de remonter. Derrière la porte, le boss. Oh non, encore un boss, mais... Foutez de moi, j'espère. Et voilà. Et voilà, on peut sortir. Si c'est bien la sortie, il pourrait y avoir des courvates à l'extérieur. Soyons prudents. Du coup, c'est pour ça qu'on va re-sauvegarder. Oh non, c'est encore un boss de con. Vas-y, j'ai pas envie d'apprendre. Vas-y, encore des patterns chiants à prendre. Ah, c'est ce mot de la truffe qui m'a enfermé. Encore toi. La gueule qu'il a, le robot. Je me demande comment tu as... C'est un boss ruche ou quoi? Ils sont crus dans Galaxy 2. Bah, le dernier boss qu'on a eu, il y a un petit moment quand même, le dernier boss qu'on a eu. Je me demande comment tu as fait pour sortir. Peu importe, je ne te laisserai pas nous mettre des bâtons dans les roues. Oui, parce qu'il y a une pause dans la phrase. C'est pas ma faute. Aïe. Bon, il faut attendre qu'il attaque. Il a failli me rattaquer une deuxième fois, hein. C'est dur de spammer des boutons sur une manette. Il faut faire quoi? Il fait que attaquer en boucle, hein. Mais vraiment, c'est un boss de merde qui spam. C'est nul comme boss.
C'est un jeu de bottom washing. Littéralement, on se plaint des morts parties, mais ce jeu, c'est vraiment pire. Hein. Tu peux arrêter et t'épuiser, voilà. Eh, c'est chiant le bouton mashing. Ah, c'est horrible. Arg, tu es plus fort que tu en allais, hein. Je n'ai fait que te rendre la monnaie de ta pièce. Écoute, j'ai t'assisté. Non, mais c'est trop, c'est vraiment du bouton mashing. Mes doigts, ils en peuvent plus, là. En soi, sur une vraie DS, j'aurais peut-être mieux réussi. Mais avec une manette, je sais pas, je galère. Enfin, là, je galère. Surtout qu'en fait, je peux pas me permettre de faire des trucs bizarres avec les boutons. C'est tout ce que les courvates savent faire ? Fuir ! Je n'ai pas envie de m'éterniser non plus. Bah, c'est bien à l'image de ce qu'ils sont. En fait, c'est des grosses merdes. En fait, dans tout le jeu, en plus, c'est comme ça. C'est du bouton mashing pur et simple. Jeu nul, c'est méchant ça, mais... Ok. J'ai la flemme de récupérer les images, hein, merde. Ouf, enfin de retour en ville. Allons voir le maire. Il sait peut-être quelque chose sur le cristal. Ren, tu me reçois ? Chocolat, ça va ? Je vous retourne la question. Je me suis fait un sang d'encre. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Nous allons voir le maire. Ouais, non mais... Mais bon, tu le bouton mashing. Aucun courvade à l'horizon. Allons chez le maire. Bah, allons chez le maire. Ces maudits courvades n'abandonnent donc jamais. Oh, mon pauvre petit Louis. Que... Désolé, on ne voulait pas être indiscret. Je vous l'ai dit. Le cristal est dans la mine. C'est tout ce que je sais. Du calme. Nous ne sommes pas du courvats. D'ailleurs, je ne vous remercie pas de les avoir laissés entrer dans la mine. Oh, je suis vraiment désolé. Acceptez mes excuses. Ouais, il a une grosse barbe, mon Dieu. C'est que... Ils m'ont pris mon fils. J'étais obligé de leur obéir. Quoi ? Ils ont kidnappé votre fils ? Kidnappé sans accent, hein, tous les jeux DS... Les jeux DS be-like. Et il sera en grand danger si je ne leur livre pas le cristal d'ici 3 jours. Bon sang. Ok, c'est décidé. Par ma truffe, on vous ramènera votre fils. Vous feriez ça ? Louis est peut-être stupide, mais c'est mon fils. Je vous en prie, aidez-le. Bah, on va l'aider, du moins, je suppose. On n'a même pas parlé du cristal avec tout ça. Désolé. Ce n'est rien. Tu ne peux pas rester les bras croisés quand quelqu'un est en danger. C'est déjà la fin du chapitre 5 ? Et quand tu as une idée en tête, tu vas toujours jusqu'au bout. Je crois que je commence à te cerner, Red. C'est censé être un compliment ? À toi de voir. Bon, l'opération sauvetage commence. Hey. Pardonnez-moi, Miss Opéra. J'ai honte de me présenter devant vous. Ce petit toutou et ses amis sont pour le moins agaçants. Laissez-moi m'occuper d'eux. C'est mon tour. Bah, laissez-les faire, oui chérie. Notre priorité est de récupérer le cristal. Pff, même pas drôle. Tant que le cher fiston du maire est avec nous, nous avons un atout de taille. Tout se passera comme sur des roulettes, vous verrez. Ah ouais, donc c'est vraiment la fin. Ah, c'est... Sauvegarde terminée.
Jour, je veux que tu... Oh, mon Dieu. C'est pour tuer mon PC ou quoi, ça? Ça a presté. C'est quoi le nom du navire où lui est retenu déjà le... Royal Envy? Ma Switch, mais PTDR, je suis même pas sûr que j'ai la place pour le mettre dessus. Je sais même pas si j'ai la place. Ouais, c'est ce vaisseau violet qui nous a attaqué aux îles de Davren. Il faut qu'on monte à bord, mais ils vont reconnaître l'Asmodeus. On a besoin d'un plan. Dans ce cas, je peux vous prêter l'un des navires de forage du Shetland. Je vais dire au Courvat que le cristal est à bord. Comme ça, vous devriez pouvoir approcher sans attirer les soupçons. Pas bête, je vote pour cette idée. Il n'y a que mon vote qui compte. C'est un peu méchant. Je vais aller me préparer. Non, ce sera plus simple si j'y vais seul. Tu restes ici. Attends, s'il t'arrive quelque chose à toi ou au médaillon. Monsieur le maire, c'est quand vous voulez. Je vais tout de suite faire préparer le navire de forage, Red. Je compte sur toi pour ramener mon imbécile de fils sain et sauf. Ne vous en faites pas, les Courvats ne vont pas comprendre leur douleur. Sois prudent, Red. Moi, j'aimerais bien pouvoir... Une cinématique. Les cinématiques dans le jeu sont pas très longues. Enfin, du moins, les cinématiques comme ça. Reste ici, qu'ils ont dit. Ah, comme si j'allais leur obéir. Une future star comme moi, je vais devenir le plus cool des chasseurs. Mon père ne se rend même pas compte, ne se rend même pas compte de mon potentiel. Lui, le pire perso. Ouais, il a l'air vraiment d'être chiant pour le coup. Hein. Je vais faire mes preuves, je me demande quel genre de mission on va me confier. Oh, je vais aller demander à cette dame, elle est peut-être dans le coin. Au fait, à propos de lui. Oui, Miss Opéra? Ah, je tombe à pic. Ils sont en train de parler de moi. Ça se voit, c'est le gosse qui veut juste faire son intéressant. Il est bientôt temps d'échanger cet idiot de gamin contre le cristal. Mais pas de nouvelles d'une mère. Il ne doit pas tenir tant que ça à son fils. Avec tout le respect que je vous dois, ce gamin ne vaut pas grand-chose comme otage. Oui, vu comment il est. Je m'en lui dis. Waouh, c'est quoi, c'est... Je vois moi, Luigi 1, 2, 3, 4, 5, tous les Paper Mario. Le pire, c'est qu'à un moment donné, j'avais comme idée de faire tous les Paper Mario en stream, sauf que bah j'ai réalisé que je pouvais pas stream la 3DS. Donc, du coup, bah c'était mort pour faire Sticker Star. Et suis-je Tomb Raider. Yes. On s'ajoute Undertale, évidemment, Dragon Ball. PTDR, mais on dirait les gosses de merde qui te recommandent des jeux de merde, ça me bute. Extrêmement participant en carte double dash. Bon, en carte double dash d'ailleurs, il y a pas longtemps, enfin il y a un moment, j'avais fait un stream en modé sur le jeu. Félix, c'est pas grave, les autres c'est cool. Peu pas moyen à 6 sur le 4. Parce que techniquement, je peux tous les streams sauf le 4 du coup. Quoi? Otage? Moi? Peut-être qu'on devrait simplement l'envoyer faire cette mission ultra risquée. Soit le 2 pour le corps. Le best mode me regarde mon âge. Oui. Le sang. Oui, non, mais d'où le. Non, mais fais un let's play. J'ai pas envie de me retrouver à faire comme Farod, pitié. D'ailleurs, fut un temps, j'avais commencé le premier Paper Mario sur Twitch, mais entre temps, je l'ai supprimé parce que bon. Ah non, il faut que je fuis d'ici tout de suite. J'ai hâte de voir sa réaction quand je lui annoncerai la nouvelle. Hein? Qui est là? Ah! T'auras fini ce jour, on devrait une cure de détoxation grâce au Paper Mario. J'arrive un jour de... Oh non! Oh non, pitié, pas ça. Dites pas qu'il a tout entendu. Grrr, attrapez ce petit vaurien! Oui, c'est... À vos ordres. Bon, c'est quand qu'on pourrait sauvegarder comme ça? Parce que j'aimerais bien m'arrêter parce qu'il est bientôt 22h. Ah, c'est là! On peut sauvegarder. Bon. Puis bon, c'est une cagnotte. Bon.
On a bien avancé aujourd'hui. Du coup, j'espère que ça a plu, en particulier à Glitchy. Non, mais j'en peux plus de spammer des boutons, j'en ai ras le cul, j'en peux plus. Attendez, je... Donc j'espère que ce stream vous aura plu et... Bye bye!